Oui, peut-être, je vous l'ai promis cela, mais il me semblait plus difficile, c'est-à-dire plus artiste, de donner à mon personnage non seulement des sentiments qui ne sont pas les miens, mais aussi des idées que je ne partage point. Malheureusement, puisque le lecteur n'est pas censé connaître M. Nabokov, je reste seul à apprécier cette différence. Vive le Québec libre!